Allez, je confirme. C'est parti. Il est arrivé, il va se connecter. Bon, en attendant, moi je suis au marchand d'Incuse. Hein. Voilà. Et bien sûr, je vais avoir une arme. Et je vais avoir une arme. Allez. Oh, tu as une arme. Non, j'ai eu un pantalon. Je ne vais pas faire autre chose parce que j'ai déjà eu des pantalons. Mais c'est pas grave. C'est déjà ça. C'est quoi ça? Motivation de Kachen. Ah, c'est une gemme. D'ailleurs. Test de votre attaque de base. D'ailleurs. Tu sais, sur l'espèce de Battle Pass un peu bizarre qu'on a débloqué la dernière fois. Ouais. Tu sais pourquoi ça nous l'a pas compté, le donjon? Non. Parce qu'on l'a fait en enfer 1 et pas en normal. Sérieux? Oui. Putain. Non, mais sérieusement, il y a des moments où tu dis c'est pas possible. Parce que quand il faut le faire en enfer 1, en fait, il le spécifie en face. Oh! Tiens, on va essayer de la booster. j'ai eu un charme là, il y a un rayon de gif plus 2% de dégâts. Je vais voir si je peux essayer d'aller le booster en attendant. De toute façon, j'ai défoncé tous mes charmes. C'est bon, je sais pas, ça va être par là. Mes charmes, c'est pareil, ils se font tous. Ils passent tous à la moulinette. Parce que là, c'est quoi ça? Armurerie. Ah oui, c'est pour faire des sets. Si t'as envie de faire des sets différents. Okay. Ouais. Mais après, ça, c'est quand t'es vraiment HL. Quoi. Oui, bah là, pour le moment, on n'a pas grand chose. Là, il y a le machin aléatoire. Ah, Yakin. Ah oui, d'accord. Il y a une quête. Yakin, faut réussir à avoir deux légendaires. Vas-y, dépense toutes tes thunes dedans. Faut qu'elles servent qu'à ça. Hein. De quoi légendaire? Attends, c'est quoi ça? Celui-là, je vais le garder. Celui-là, je vais le virer. Ok, amélioré. Oh, 20 millions d'installations. On a le droit à une emblème légendaire. C'est cool, ça. Oui. Et récompense de fin de règne, ben 500... 500 allez, mystique, va te faire foutre. Armure d'os, nécro, va te faire foutre. Donne-moi un deuxième truc de mage, quoi. Ouais, c'est bien, chasseur, mais va te faire... Pardon. Sérieusement, hein. Fer ou t'es papa ou t'es... Et un fusée, ça permet de le détruire, c'est ça? Ah, mais je vais pas défoncer celui que j'ai équipé. Ouais, c'est pas grave, on va le mettre de côté, on en fera d'autres, dès qu'on en chopera d'autres charmes. Tiens, on va aller voir, là, j'ai un peu de sous, là. On va aller dépenser des sous. Tant que t'arrives. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin de légendaire allez, une armure, vas-y, pour 16 000. Super, j'ai eu du bleu, quoi. Tiens, armure secondaire. Ouais, c'est nul. Et un bijou. Une amulette. Ou une arme. Est-ce qu'on aura un légendaire? Non. Voilà. J'ai assez dépensé, j'ai fait un check. Ah, quoique. Est-ce que... Ah non, c'est deux objets, rare ou légendaire. Rare aussi. Ok, donc ça me permet de passer le pass de combat et de passer Paragon 3. Je passe de 1 à 3. Moi, j'étais limite à 2. Oh. Qu'est-ce que je veux prendre? Déjà, ce que je veux prendre, les clés d'aspirant. Je veux prendre les clés d'aspirant. Est-ce que je prends les charmes? Oui, je prends les charmes. Alors, Paragon. Donc, j'ai pas le choix, c'est par ici. Il faut combien pour ça? Vous éliminez un monstre, votre vitesse d'attaque augmente de 0,5 dans 6 secondes. Nécessite 5, ok. Bon, bah, je vais continuer à monter des dégâts. Hein. Tu peux m'inviter? Ouais, ok. J'attaque surtout beaucoup avec l'attaque de base. Alors, troupe de guerre, tu es là, invité dans un groupe. Invitation envoyée. Bon, j'ai un item à identifier, elle est juste là. Alors, il fait quoi ce... Alors... Ah ben, c'est le même que j'ai, d'accord. C'est le même mais en mieux.
Ouais, c'est le même en mieux. Il a un meilleur score de base. Je gagne quand même plus de 400, 450 de score hein, avec. Alors, hein. Qu'est-ce que j'ai eu sur les trucs? Allié mystique moine, sanctuaire intérieur moine. Bon, les bots, je doute que je mette les autres. Mais voilà, parce que j'ai du vert. Ça peut être. Non, arcanique non, le sorcier. Score est moins bien. Alors, est-ce que j'ai posé Ça, un on va le truc mettre de dans le côté. coffre? Ça va éviter de le jeter bêtement. Non, Même j'ai si rien mis dans le le coffre. coffre, c'est assez chiant. Est-ce que j'ai passé mon paragon encore? Ah non, c'est conquête. Ok. Ouais, des Bon, elle est pas glope, pas glope. Hein. Je vais la mettre. On va aller péter l'objet légendaire. Et puis après, on va partir à la chasse au paragon. Je vais me faire une pierre de Est-ce que j'ai un compétence à truc à 1029 pour voir extraire? si elle part. Donc c'est temps de recharge. D'accord, parfait, c'était celui-là. Ça, c'est bien qu'on perde pas les pouvoirs, même si tu les transmutes, tu perds pas le pouvoir Ouais. qu'il avait à l'origine. Ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment bien. Ouais, parce que ça permet après de changer de build là, plus facilement si t'as envie. Alors, si je veux améliorer, j'ai Bon, qu'est-ce que combien j'ai pas de... mieux pour le moment? Ah, j'en ai zéro. Il faut que je désosse tout. Bon, de toute façon, on va commencer une faille. Une petite faille tranquille, une faille probatoire. Puis après, on verra. Fabriquer. Est-ce que je peux fabriquer quelque chose? Parce que c'est intéressant que je fabrique des gemmes. Est-ce qu'il y a celle que je veux? Non. Vu que ça a l'air de changer régulièrement les. C'était celle de poison que je voulais. Elle n'y est pas. Hein. Non, il n'y est pas. Okay. Alors, est-ce qu'éventuellement je peux la crafter? Ce serait bien que j'arrive à crafter. À crafter, j'ai faim! Alors, la pierre, elle est où? Ben non, j'ai toujours pas assez, hein. Il me manque une hymne. Ah, c'est chiant ça! Ben on va se faire une faille probatoire. Je prends juste les quêtes pour notre montée, parce que c'est ce qui donne le plus. Moi, ce sera beau obscur. De toute façon, ce soir, à mon avis, c'est on va faire 24 quêtes, des failles, et puis voilà. Hein. Là, les petites failles ancestrales, avec le petit truc gratos. Qu'est-ce qu'on a le droit? Ah bah, ce sera ah, ça, je te conseille hein. Juste un truc avant de démarrer la faille. Oui, va quoi donc? Tu vas dans les options. Alors, je vais dans les options. Je cherche où c'est. Va dans les options, tu vas dans... attends, c'était lequel? Non, c'est pas ça. Attends, je cherche parce que... Non, ça doit être dans général. Tu vas dans général? Ouais. Mais tu descends sur récupération automatique. Récupération automatique d'objets. Tu coches bleu et jaune. Bah, ça, c'est fait depuis déjà le début. D'accord, parce que moi, je l'avais pas fait. Je l'ai ramassé à la main. Non, moi ça c'est fait depuis depuis que je l'ai découvert, ça je l'ai. J'ai bleu et jaune d'actif. Bah je le faisais à la main moi. Avant j'avais tout. Mais comme le gris et puis totalement à l'heure du jour, je le. Bah ouais, mais moi je l'ai ramassé à la main. C'est comme ça je pouvais trier en fait. Mais là c'est bien, j'aurais même plus à réfléchir. Ouais, du blanc, je ramasse pas quoi. Après là j'avoue que le blanc je le récupère. Aussi pour pouvoir. Ouais, mais toi, t'as gâché tout, enfin, t'as défoncé toutes tes poudres pour en faire les versions bleues. Alors que moi, non, j'ai toujours les miennes. Non, c'est pour faire les versions bleues. Oui, ou les versions bleues. Oula, on n'y voit rien. Oh, On a un effet de blindness. On va essayer de rester groupir alors. Ouais.
Bon, après, on peut quand même se diriger via la... Oui, la map, il y a du bleu là déjà. Ah, je viens de choper un charme, yes. Ah, c'est horrible. Ouais, c'est chiant, hein. Bon, ça va, après les mobs sont pas très compliqués à buter, donc... C'est bien ton petit bouclier, même pas besoin de réfléchir. Mais oui, mais c'est pour ça. Oh, un petit Là, tiens, un jaune. gold. D'accord. Hop. Raise. J'ai pas eu le temps d'appuyer sur je veux ma popo parce que Mais j'ai. pourquoi il me l'a relancé tout de suite? Oh, attends, qu'est-ce que c'est? Ils ont fait des changements sur le pouvoir? Il se recharge beaucoup plus vite? Attends, c'est quoi ce délire? Oh, ils ont réduit son cooldown. Alors, c'est peut-être moi qui l'ai installé. J'ai son cooldown qui est beaucoup plus bas. Moi, je peux le relancer beaucoup plus vite parce qu'avant, j'avais plus de 15 ou 30 secondes de cooldown, mais j'ai plus que 8 secondes. Ah, avec 8 secondes, c'est vachement plus intéressant en fait. Je vais pouvoir le lancer beaucoup plus souvent. Ah, du bleu. C'est chiant. C'est par là, c'est par là. Putain, oui. Ah, c'est une horreur ce truc. Ah, on y voit que chi. Ah, heureusement que j'ai pas besoin de viser avec le avec l'effet. Il va plus nous rester grand chose là, il va nous rester quoi? 2-3 mobs et ça va être bon là. Ben voilà, je vais demander. Il est là. Ah, c'est l'écorché. D'accord, je viens de prendre une baffe de l'espace. Ouais, ça t'a flingué? Oh. Aziz de lumière. Et... Oh, rose noire. T'as eu Ah un mais non, légendaire? c'est rose noire. Oh, c'est dégueulasse ça. Pourquoi? Mais c'est un légendaire, t'es? Oui, c'est une gemme quoi. D'accord, bougie que dalle, moi. Oui, mais moi j'ai eu la gemme parce que j'ai claqué Ah, un légendaire. Oui. un truc légendaire. Donc ça en drop forcément une. Je crois que j'en ai pas, donc ça règle le problème. Hop, la carte infernale.
Ben, techniquement, t'en avais une, puisque il y en a un qui a été filé dans le courrier. J'ai validé le courrier, j'ai fait OSEF. On va récupérer la récompense du jour. J'ai l'événement aussi. Oh, je récupère un charme. Cool. Et là, l'événement, qu'est-ce qu'il me dit? Ok, tu es d'immense d'élite, accomplissez la première élimination du jour. Et terminer un donjon de quête, pof. Ok. Terminer une quête secondaire, tu es sur le jour. C'était 52 scrap, quoi. Récupérer 40 pièces d'équipement. Terminer 2 primes. Ouais, ça va être vite fait, ça. Oh, oui. Bon, allez, probatoire, c'est parti. Niveau 11. Allez. Bah, go. Hein. C'est parti. Je pense qu'on a le niveau. Oui. Voilà. Large. L'argent. Non, large, pas l'argent. Si, c'est l'argent. Non, là, c'est des runes. On récupère. Toc toc, je suis un golem de chair. Un petit jeune là-bas en bas, ça c'est cool. Bon, après ils sont un peu beaucoup arrivés là, donc on va... Oh, il y a du jaune et du bleu. On va faire un gros nettoyage. Le massacre que j'ai fait. Non, tout à l'heure c'était ça mettait moins de temps parce que c'était le donjon qui nous donnait le truc. Et là je suis revenu dans un timing normal. Demi-tour. Oui. Mais attends. Il y a peut-être là-bas. Voilà. Il y avait 3 pécons entendus. Il faut un petit peu plus que 3. Hein. Il y a peut-être un trésor au fond. Hein? Il y a peut-être un trésor au bout. Ouais, ben. Non, ben non, c'est vrai que sur le fight probatoire, il n'y en aura pas. Là, je vois, tu vois, là, on voit par rapport au timing qu'on est hyper large. Ah donc oui, là, ça veut dire qu'on peut faire même les failles supérieures. Oui, largement. On peut continuer à en faire d'autres derrière, quoi. Oh, 9500 de dégâts en critique sur en mettant téléporté sur les mobs. J'adore. J'aime bien que tu me les bumps, non mais moi ça m'arrange que tu les bumps. Comme ça ils sont pas au corps à corps. Bah oui. Et moi ça m'éclate de les voir non, mais là, je crois faire qu'il y a des rien. Planer. Ah non mais tant mieux, moi ça m'arrange. Comme ça j'ai plus de temps pour les dégommer tous. Hein. Parce que moi à chaque fois que je tire j'en touche 6 à la fois. Hein. Avec l'attaque de base donc c'est énorme. Ça me fait faire beaucoup de dégâts quoi. Il y a du bleu là.
On en a déjà haut. Là. Oh d'ailleurs, on dev... je... c'est... Non, c'est pas sur la... C'est pas sur celle-là, je crois, qu'on gagne une... C'est tous, les, c'est tous les... Un truc de Laura Dream. C'est tous les 5. Normalement. Que t'as les grosses récompenses. Mmh. C'est tous les 5. Non, non mais je veux dire, tu sais, les... Pas par raison. Les gemmes Laura Dream, là. Même pas mal. Allez. Y'a pas d'autre chose? Y'avait pas un coffre normalement? Non. C'est le ah oui, c'est juste la récompense. Non, je confonds avec le dernier, ok. On peut se refaire une faille probatoire et je vais mettre mon truc légendaire. Je l'ai pas fait. C'est non, faille ancestrale, pardon. Qu'est-ce qu'on a gagné là? Ouais, bon, que des trucs pas ouf. Voir le la truc. Ouais, ok. Faudrait que je la casse. Tiens, j'ai eu un anneau. Détermination Vita. Qu'est-ce qu'il manque moi en légendaire que j'ai pas eu? J'ai l'armure, j'ai les épaulières. Ah, mais non, mais j'ai tout en légendaire, ça y est. Je suis con. Moi j'ai du légendaire partout, mais j'ai eu très peu de casques. Là c'est le truc chez moi, ça a été le celui où j'en ai le moins. J'avoue que je suis pas très verni en casque. Bon, moi j'en ai que deux hein, de trucs. Après j'en ai des légendaires, mais parce que c'est intéressant oh. De choper des runes en fait. C'est tout ça qui est intéressant. Zou. Est-ce qu'on va avoir encore un truc dans le noir? Non, c'est bon. Une fois, ça suffit. L'or. Allez, mourez s'il vous plaît, merci. En silence. Arrêtez de hurler. A pitiful display. Mais il m'a pas pris l'or, sale bête. Allez. Voilà, ça c'est le quotidien d'un Diablo. Bon, j'attends un Diablo 4 avec impatience. En espérant qu'ils ne vont pas nous le déglinguer et le faire trop PVP. Parce que ça, c'est parti pour du PVP, ça me saoule. Non, mais faut qu'ils arrêtent de me lâcher du blanc là, c'est chiant.
Ça, ça monte tellement pas vite le paragon. Salut Watwax. Salut Watwax, comment il va? Les paragons sur Diablo, Diablo 3, ça montait beaucoup plus vite. Hein. Au début, hein, c'est à partir jusqu'à aller à 30-40, ça allait assez vite. C'est après où il fallait commencer à farmer. Là, je pense qu'ils ont fait exprès, ils ont vraiment baissé le taux d'XP. D'ailleurs, ça m'avait pensé, Outrider, il y a une mise à jour là. J'ai regardé, ils ont réduit le nombre d'XP. Ah merde, je vais me faire pire. Ils ont réduit le nombre d'XP nécessaire pour le monter les paliers de 10%, je crois, à partir du niveau à partir du niveau 20 d'Apocalypse. Non. Parce qu'ils trouvaient que ça prenait trop de temps à monter. Je sais pas. Ben, il y en a, oui, sûrement, qui trouvaient que c'était plus. Ils ont modifié plein de sets et des trucs comme ça. Non, oh. On va revenir en arrière. Donc c'est plutôt marrant quoi, ce qu'ils ont fait. Ça se sent que c'est un jeu qui est relativement suivi niveau. Bah, en fait, ils écoutent un petit peu la communauté, ils font quelques changements. Donc, mais j'ai pas vu de truc. J'ai regardé rapidos, mais j'ai vu personne parler du fait que la princesse a été complètement à l'ouest au niveau dégâts. J'ai du bleu là. Ok. Ah, il a apparu à côté de toi, sérieux. C'est ça. Il a apparu à l'autre bout. Non, mais il a l'air d'être quand même suivi, donc après, faudra voir hein, ce qu'ils vont faire dessus. Moi, je sais qu'il est sympa, le jeu. C'est pas un jeu que j'ai passé des milliers d'heures dessus, mais ça reste quand même super sympa. J'essaie d'aller jusqu'au bout, au moins une fois, quoi. De toute façon, il y a des succès qui sont buggés. Hein. De la merde, même pas un légendaire, je me fais niquer. Ah, j'ai rien dit. Tourment éternel. Oh tiens, j'ai encore une gemme. Non mais toujours les mêmes qui ont du bol. Par contre c'est chiant parce que c'est une gemme provocante que j'ai eue. C'est comme j'ai eu. Vos coups critiques font agoniser votre cible, ce qui lui inflige 10% de dégâts de base. 120 points de dégâts par seconde pendant 6 secondes ne peut affecter et la minimise qu'une fois toutes les 20 secondes. Mais elle est très bien. Tourment éternel. Je vais la mettre où? À place de qui? Là j'ai quoi? Augmente tous les dégâts que vous infligez. Ça c'était très bien. La vitesse. Qu'est-ce What? Que j'ai, hein? Alors l'âme provocante c'est à chaque fois que vous bloquez une attaque, vous infligez 64% des dégâts de base plus 700. Ah mais j'ai déjà tourment éternel. Ok, je vais pouvoir la casser. Mais pour la casser. Mais par contre, je sais pas si on peut les péter les gemmes ou s'il faut les juste les donner à manger aux autres. Je pense que c'est ça. Après, tu les donnes à manger aux autres pour les level up. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Oh. Est-ce que sur le Paragon 5, je peux avoir une ceinture Est-ce qu'on peut mettre deux fois la même? Non, vous ne pouvez pas équiper deux fois la même. Les dégâts continuent. Voilà, comme ça au moins les c'est réglé. Les dégâts au sol sont augmentés. Non, mais non, je vais pas la retirer, quel con. Donc ça confirme, on peut pas. Je veux améliorer un objet. Ça y est, je peux. Non. Bon, on va entre triper pas mal. Vous avez 20% de plier en bouclier. Pour chaque unité ennemie, votre vitesse de déplacement. Ouais, bof. Durée des effets bénéfiques. Non, je donne pas d'effets bénéfiques. Durée des capacités causant une perte de contrôle. Non. Ouais, ça va tranquillou. On se fait. Je me suis planté, je suis allé à la place. Vos créatures invoquées infligent 15% de dégâts supplémentaires. Chance de coup critique augmentée de 3% pour chacune de vos créatures invoquées. Vous voulez que je peux augmenter ?
créature invoquée entre dans une frénésie pendant 12 secondes dès que l'une d'elles inflige un coup critique. Cette frénésie augmente leurs dégâts et leur vitesse d'attaque de 60%. Ah, ça vous vend très trippé. Infligez des dégâts, vous avez 4% de chance. Ah, vend très trippé. Oh merde, j'ai pris du paragon, c'est vrai. On va continuer ici, on va bientôt avoir un niveau 5. Après on verra où on ira. J'ai même le codex aussi qui a monté. En conquête, ce qui est normal. Hop. Mouais. Le petit jeu tranquille, allez. Bon ben moi j'ai mon deuxième verre, je suis content. Mais ça c'est juste parce que je suis passé paragon 5, c'est tout. Hein. D'accord. Et en plus tu peux le choisir. Ah, c'est pas mal. Enfin, je regarde lequel j'ai d'ailleurs. Parce que moi il faudrait que je prenne quoi comme 7. Parce que je suis parti, c'est quoi? Les temps de recharge de la potion de soins sont réduits et. Dégâts d'attaque de base augmentés de 15%. Je veux. Il me faut les autres comme ça. C'est obligé. Ben moi j'ai celui pareil au départ, celui qui augmente. Hein. Mais là j'en ai pris un, c'est quand je fais des dégâts répétés sur une seule cible. D'accord. Allez hop, on part sur une feuille probatoire, niveau 12. Oui. Atteignez le niveau de paragon 1 et terminez cette faille probatoire pour améliorer les objets obtenus dans les activités des failles probatoires ancestrales et du cycle du conflit. Tiens, c'est pas mal ça. On va gagner un truc. Vu qu'on a passé le paragon. Ouais. Ah bah je crois qu'on va les monter les failles là. On va faire de la faille en pagaille. Non mais au moins jusqu'à 15 déjà, et après on verra. Déjà on voit si alors. On tient en fait. Là, c'est pas par là. Piu. Non mais je fais que des critiques à chaque fois que je me TP. Je fais des 9000 de dégâts quoi. Paquez-les. Mais pas cette fois-ci. Là oui. C'est n'importe quoi. Là niveau timing on est à la bourre. Mais bon après on n'a pas rencontré encore de bleu et de jaune. On est à peine en avance. Oui, non, mais c'est bon. Tant qu'on est en avance, on sait qu'on peut passer au niveau supérieur, en fait. Si t'as au moins un quart d'avance, parce que là, on est au tout début, hein. Ça va vite monter. Hein. Surtout si je fais des 9500 de critiques dans leur tronche à chaque fois que je me TP dessus, quoi. Du bleu. Mais deux fois en plus, il y en a de l'autre côté aussi. Là, tu vois, regarde, là, on a pris une sacrée avance sur le truc, donc on est tranquille. Je pense qu'à mon avis, vu le niveau qu'on a, 15, on y arrive facile. Je pense qu'on peut arriver 20. De toute façon, on va sûrement avoir de l'équipement entre-temps. On va peut-être pouvoir booster. Vu qu'on tombe sur un légendaire ou deux sur ce qu'on fait, et puis c'est bon. Hein. Donc on devrait pouvoir y arriver. De toute façon, on verra. Hein. Parce que là, on est 12. Ouais, 15, je pense que ça devrait passer tranquillou. C'est
Vas-y, bump-les. Non, là y'a personne. Ici y'a. C'est bon, je m'en suis occupé. Là y'a du bleu là. Large, on est... Il n'y a même pas la moitié du temps qui est passé, et en plus on va voir le boss là en tuant les bleus. Oh, le nombre de bleus qu'il y a. Je fais un gros nettoyage. Oh, je viens... Voilà. Ah, je viens de faire un strike avec le golem là. Il est costaud celui-là niveau point de vie. On en a un paquet, je trouve. Un demi-million. Ouais. En plus, il a décidé de me focus. Là, il a décidé que ce serait toi et personne d'autre. Hein. Ouais, ouais. Bah, je vais peut-être fait beaucoup de dégâts et il a pas apprécié. Et il a. Là, voilà, là, cette fois-ci. Là, il a choisi de changer. En fait, ah, je pense putain, ils sont immunisés, ces merdes! Destructeur d'AD, c'est moi. Non, c'est parce que tu vois là, les trucs comme ça, là, ça fait tellement vite des dégâts. C'est assez hallucinant. Oh, non. Ah non. Sniff. Rien eu. Rien eu de ouf. Vous voulez vraiment quitter? Oui. Non, par contre, là, il va peut-être falloir que je vide mon inventaire, je sais plus. Bah non, bon, là, tu l'as pas vidé autour d'avant? Il a pas donné grand chose là. Bah, ah ouais, non, ouais, y a rien qui a été donné là. Non, ça donne que dalle. Hein. Juste le codex dans les quêtes qui nous fait récupérer. Tu es 120 monstres édites. Et dans conquête, ouais. Qu'est-ce que j'ai monde. Ouais, probatoire, d'accord. Ah, 14, ça nous donne quelque chose. Parce que niveau 12 sur 14, donc si on passe 14, à mon avis, ça va nous donner quelque chose au niveau de. Au niveau de la feuille probatoire dans conquête. Mais écoute, en conquête, hein. Ouais, on va continuer, hein. On va voir. Donc pour le moment, puis ça nous donne des gemmes jaunes pour pouvoir booster. On va avoir des incusants. Oui, puis ça nous donne les gemmes jaunes, là. Ce qui est plutôt pas mal. Ça va nous permettre de EP facilement. Oula, on passe ces mobs. Toc toc. Fais gaffe, ils explosent. Et il lâche des mobs après derrière. Et ça tape, tape, tape. C'est quoi, cool, il n'y a pas de musique. Et ça bouc, bouc, bouc. J'aime bien où ils n'arrivent pas à avancer, donc ils se font défoncer.
L'auto-attaque, je fais quand même du 5500 hein, en critique. Je suis un petit peu en dessous. Mais bon, comme je touche X... Pardon, je viens de faire un 7000. J'ai rien dit. C'est pareil, mon projectile, il traverse, donc... Ouais, mais moi non, moi il est auto-guidé. En fait, il s'attaque directement au mob. Moi, quand les mobs ils sont paqués comme ça, je fais beaucoup de dégâts. Vous pensez que moi, chaque fois que je fais une auto-attaque, je touche 6 mobs. Enfin, ça rebondit 6 fois. Après, je pense pas que quand il n'y a qu'un mob, ça rebondisse plusieurs fois sur lui. Quoique. Mais ça fait moins de dégâts, j'ai l'impression. Bah moi ça traverse sur une courte distance. Après moi j'ai la gemme qui fait que tous les X temps je fais plus de dégâts. Là je viens de faire un 7082 quoi. Pardon, je viens de faire plein de plusieurs 8000 là. J'adore. C'est n'importe quoi. Après, je sais pas, quelle est la différence entre les critiques jaunes et les critiques oranges? Ça, c'est... J'avoue que je ne saurais dire. Il y a un gros balourd, là, qui essaie de nous agresser depuis tout à l'heure. Si vous voulez mourir, s'il te plaît, merci. Voilà. Là, vite, un globe de vitesse. Bon, on a même pas eu le temps de faire les bleus. Ouais. Et qui c'est? Invocateur. Ok. La tarte qui m'a mis. Les manches. Oh, un légendaire. Les jambières. Je vais voir la gueule des jambières. Ouais, je crois que je les ai déjà vues. C'est les mêmes que j'ai. Mais bon, si elles sont un cran au-dessus, c'est pas plus mal. C'est toujours beau à en prendre. Hein. C'est clair. Parce que en fait, tu retombes sur les mêmes, mais c'est des versions de niveau supérieur. Donc c'est toujours intéressant. Hein. C'est comme ça en fait que tu montes. Hein. Enfer. Hein. Pourquoi j'ai enfer un qui s'affichait comme ça? Bah toujours, à chaque fois que je sors d'un truc, à chaque fois j'ai enfer. D'accord. Événement, hop. On aurait fait un truc. Quête secondaire, on verra après. Pièce d'équipement, ça sort tout seul. Faudra faire deux primes, ça on les fera après. On essaie de monter 14 et puis on voit après. Allez, la 14. On va voir ce que ça donne. Ah oui, il y a un truc que je viens de voir. Ouais. A priori, on a un bonus de 400% d'XP, là. En ce moment, c'est bien, faut profiter. Ouais, donc faudrait faire les quêtes. Bon, de toute façon, on fait 14, on voit ce que ça donne, on voit si ça donne une récompense intéressante au 15. Et puis après, on part sur faire les quêtes.
Je viens de faire un 10 000 de critique ici, j'adore. D'accord? S'il vous plaît. Non, non, mais j'adore que tu les bumpes, moi ça m'arrange. Fais moins de dégâts dans ma tronche. Bah, vu que je mets aussi un bouclier. Oui, non, mais ça l'économise aussi. Bouc, bouc, bouc. Ah mon dieu, ça c'était le. Ça ressemble énormément dans Diablo 3 pour aller chez les Auric. C'était un chemin comme ça, une espèce de catacombe. C'était de ce style-là, c'est assez marrant. Se retrouver dedans. Ils sont pas fait chier, hein. Ils ont repris pas mal d'assets de Diablo 3. Hein. Bah, ils ont tout repris. Hein. Mm. En moins bien, graphiquement. Je les défonce avec ce pouvoir. Comme je les tape en groupe. Il fait pas beaucoup de dégâts, il fait 2500 de dégâts. Mais comme je fais 2500 sur tous les mobs en même temps, ben ça fait mal. Ah bah moi c'est pareil, moi, ma canalisation c'est du 2500 mais qui traverse tous les mobs. Donc et à chaque fois ça fait le même dégât. Oui, j'arrive à trouver le moyen de booster mes critiques. Insane. Il faudrait que je regarde à combien je suis de taux de critique, mais je crois que je suis pas très élevé. Non, moi j'ai 7%. Mais pourtant j'en déclenche plein. Hein. C'est ça qui est hallucinant. Mais c'est peut-être dans les stats, ça met 7, mais j'ai peut-être des gemmes qui me le boostent et que je le vois pas, en fait. Parce que j'arrête pas de faire des fois. Rien qu'avec mes auto-attaques, je fais des 4008 tout le temps. Je fais des 7000, des fois des 10000, tu fais ok. Oh, il y a un gold et du bleu. Ouais. Je vais les appeler la danse, hein. À mon avis, on va faire le bleu, ça va être fini. Et on fait un petit massacre de groupe. Voilà. On a éliminé 80% des ennemis. Pourquoi ça fait babou? De quoi? C'est moi qui l'ai fait exploser. C'est ça que tu me touches. Non, en fait, j'ai eu un bruit de. Comme si j'avais reçu un message ou un peu du genre. Ah, bizarre. Bon, ben, je crois qu'on va faire le jaune et ça va être fini. Oula, c'est cher, les jeunes ils font mal. Tape fort. Tu as fait ce que l'on appelle un scar switch. Ouais. Ouais, tu vois, c'est 205 000 PV. Vas-y quoi. Et là normalement on devrait avoir le boss. Ah ouais, bah en bas. Encore lui? Ouais, mais toujours plus puissant, 672 000 PV. Oui, bah ça, normal. Oula, oulala, oulala, pourquoi je prends des 5 piles d'affilée, là? Allez, au revoir, bisous. Merci d'être venu.
Donc pas de légendaire cette fois-ci. Alors, la 15. Qu'est-ce que ça donne? Alors déjà, codex, il y a un truc qui a été trouvé dedans. Ouais, c'est ça, ça donne des incuses en fait, le truc 14. Et le 15, c'est bah, c'est comme d'habitude, chance d'obtenir un équipement légendaire, de l'XP. Allez, on 25, fait, le, on fait le 15 et après on perd en quête. Allez, comme ça c'est fait. Comme ça, ce sera fait. Ah bah tiens, je retape le même. Ou par contre, regarde les niveaux. Ouais. Difficulté de monstre élevé. Ben. Ils sont plus hauts que nous au niveau niveau level. Tu vois ça à quoi? Quand tu regardes les monstres et même en bas, tu vois, regarde, t'as un panneau danger. Ah bon? Bon, pour le moment, on les défonce. Hein. Je vois pas de problème particulier pour le moment. Ça veut juste dire qu'on est puissant, mais en oui. Face là les mobs. Bah, je vois pas de niveau au niveau des mobs, je vois juste une main. Ouais, on prend des claques, mais ça va encore. J'ai eu pire. Non, mais c'est qu'on est vachement plus puissant. C'est qu'en fait on n'a pas le niveau, on est plus puissant que par rapport à notre niveau. En gros. Vous jouez pas plus mal, hein. Bah oui, en soi. Tu regardes le temps, on est bien, hein. On est déjà au-dessus du temps qui est normalement nécessaire. Faut juste faire attention, peut-être reculer. Je pense qu'on a un bon groupe tous les deux parce que toi, tu permets de faire reculer les mobs, ce qui m'arrange, moi. Comme ça, c'est j'ai le temps qu'en fait, j'ai des tanks indirects. Hein. Oui, en plus, c'est ça. T'as des tanks, etc. Moi, ça me permet d'être safe et de pouvoir DPS tranquille, quoi. Parce que tu vois, j'utilise quasiment que mon attaque de base, mais comme elle rebondit sur plein de mobs, fait énormément de dégâts grâce à ça, quoi. Ah bah personnellement, moi mes compétences, elles sont toutes spammées. Hein. Je spamme quasiment pas mes compétences. Il y a que quand il y a un gros groupe de monstres où je balance ma gemme et je balance mon éclair de gif dedans. Et comme ça, je fais un max de DPS et je les défonce très vite. Mais quand il y a 3 ou 4 mobs comme ça, je m'en fous un peu, c'est facile à passer ça. Bon là par exemple il y a du... là il y a un peu de monstres, on va le faire. Surtout qu'ils balancent leur pouvoir bien chiant là. Il y a encore du bleu ici. Ouais c'est ce que tu disais, je pensais qu'on pouvait aller jusqu'à 15 tranquillou au vu du temps qu'on met. Après ça va peut-être devenir plus dur à cause du fait que... on va être faible au niveau... Oula, il y a de la glace partout. De glisse, il y a du bleu qui arrive là. Ouais. Juste là. Hein. Ça ramène. Ah, c'est eux qui mettent la glace, lol. Et du bleu ici. Oula, pas gaffe. Ah, il va me manquer. Il va me manquer un mob là. On fait ce groupe là et ça doit être bon.
et il pop en bas dans la salle. Bonjour l'invocateur. Ah, je crois que c'est à moi qui veut. C'est à moi qui veut dire bonjour. Je vais juste utiliser les cadavres. C'est 140 000 HP quand même l'invocateur. Ah bah oui. Ça va, on s'est tapé un truc à 6 millions alors. D'HP, je te rappelle. Ouais, non, mais. ça, c'était une vaste blague. Ils sont costauds les aides qu'il met là. Allez, on termine. Au revoir, bisous. Allez, on va passer par Paragon 5. Bon, pas de légendaire comme d'hab, hein, on a l'habitude. Allez. Bon bah ça va, on passe une feuille tranquillement. Par contre le 16, je pense que ce sera plus coton. On devrait le passer, mais on va pas le faire. On va juste faire les quêtes déjà. Et en plus on a pris un niveau de paragon, donc ouais. 40 pièces d'équipement, et j'ai pas le droit, et j'ai gagné les 10 clés. Donc il y a dans la voie de l'aventure. Moi il me manque une quête pour les avoir les 10 clés. Il me manque un truc pour les avoir. Je sais pas toi ce que. Ah, secours. Le service. Attends, c'était quoi c'est. Ah, ils me le donnent pas ces enfoirés. Deux. Bah le truc que je veux en vert. Ah, t'as regardé les 6 et tu l'as pas trouvé. Ben y a pas le nom. Normalement ça doit être chat. Attends, je vais vérifier. Non, non, non. Mais en fait, tu prends et tu scrolls vers le haut et tu regardes l'effet du 7. Oui, non, mais je sais pour l'effet du 7. Mais ça correspond pas. C'est aucun de mes 7, en fait. Attends, je vais vérifier lequel c'est. C'est Haillon de guerre de Chalbas. Et c'est pas celui-là en fait que j'ai. Désir de Vitsou. Plaque du Baron. Berger. Histoire imprégnée. Non, il n'y est pas dedans. Il faudrait que je trouve un truc qui peut être intéressant. Alors déjà celui-là il est pas mal. Ça peut être pas mal aussi. Ça c'est Osef. Je vois pas. Eh ben j'ai toute mon armure qui est en rang 5. Ben, tout ce qui est armure, arme et donc arme main droite, main gauche. Tout est en rang 5. On va prendre celui-là. Oula, moi non. J'en suis loin. J'en ai que deux pour rang 5 pour le moment. Ouh, par contre, le passage au rang 6, ça rajoute un attribut bonus aléatoire sur le stuff. Non, moi pour le moment, je suis 5 sur l'arme et mon arme secondaire et 4 sur tout le reste. Non, moi je suis 5 de partout. Je suis 1 sur les bottes, 2 sur la ceinture et 1 sur le gant. Ah mais tu parles moi je suis de quoi? Moi je suis un. Bah, alors moi je suis 5 sur tête, torse, épaule, jambe, main droite, main gauche.
et je suis 1 sur les pieds, 2 sur la ceinture et 1 sur les gants. Ouais, moi je suis 1 sur 3 des trucs en haut, mais je vais mettre un quatrième à 1. Faut que j'aille identifier déjà mon légendaire. Oh non, j'avais cru que c'était toi en fait. J'allais cliquer sur toi. Vire-moi ce repère personnalisé. Voilà, merci. Every item. I hope I was of assistance. You there! Do you have... Il est pour le passer rang 5, l'autre. Je vais le garder sur moi. Bon, et lui, je parie que c'est le même que ce que j'ai. Déportation, là, c'est ça. Oh, il est moins bien, sérieux ? Quoi ? Niveau stats, il est moins bien ? Putain, j'ai looté un truc moins bien. Dégoûté. Remboursé. Ah ouais ? Ouais. Putain, faut... sérieusement, j'ai réussi à looter un légendaire moins bien que ce que j'ai, quoi. Faut le faire. Améliorer, il est où? C'est lui, il est niveau 4. Et... Putain, sérieux, j'arrive à avoir les trucs avec 5 trucs différents, quoi. J'arrive même pas à en avoir 2 identiques. Sûr. Ben, sur un charme. Et un fusée, ça ah, fait quoi? Tu veux dire deux de la même classe, tu veux dire? Ouais. Ouais, mais j'ai pas de pierre de compétence, donc ça sert à rien. Extraire. Ah, mais extraire, ça coûte du platine, les enfoirés. Ouais. Mais c'est pour ça que les pierres de compétence que j'extrais, je les revends. Comme ça, ça me fait des platines pour après. Des pierres de compétence que tu extrais? Ah, tu revends toutes les autres. Non. C'est-à-dire que une fois que tu l'as extraite, tu obtiens une pierre de compétence. Cette pierre de compétence, tu peux la revendre au marché auprès de Dia, là où je suis, contre des platines. Et en fait, c'est d'autres joueurs qui les achètent. D'accord. Si c'est une gemme qui est avec plein de la même classe, tu peux te permettre de la vendre un peu plus cher. Là où j'ai fait pareil un truc avec 5 trucs différents. Je crois que je l'ai mise à... Ah, mais en plus, c'est aléatoire, derrière. De quoi c'est aléatoire? Je viens de tester la pierre de compétence, d'accord? Je viens de mettre la pierre de compétence sur mon truc. Quand après, tu cliques, c'est aléatoire qui prend un des trucs dans la pierre de compétence. C'est pas toi qui choisis lequel tu veux. Sérieusement? Oui. Mais c'est pourri. Oui. Oui, oui. C'est pourri comme système. Ah non, mais c'est complètement naze comme système. C'est débile comme truc, quoi. C'est le truc, c'est bien, va payer pour en avoir plein. Je pense que c'est fait exprès, hein, celui-là. Là, je pense que c'est le truc le pire que j'ai jamais vu. Je veux dire, c'est au moins tu pouvais extraire celui que tu veux. Non, bah non. Non, non, c'est aléatoire. Tu regarderas si tu veux, je te ferai... Quand je la mettrai en ligne, la vidéo, je te ferai un lien vers le truc, mais tu verras, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. What do you need, friend? Qu'est-ce que je vais améliorer? Je vais peut-être améliorer des trucs. Ben lui, là, ce serait bien. Ouh. Et là, je peux améliorer? Non, j'ai pas assez. You do the fighting? Allez, écoute, c'est parti pour le bois. Tu les as, les quêtes? Oui, bah, en même temps, tu les as prises, donc... un truc, éventuellement, qu'on peut faire, c'est pour se faire des scories pour monter, on peut se mettre sur un Lassalle 1. Oui, au pire, on peut aussi se mettre sur un Lassalle 1. Un Jean. Allons dire bonjour à Jean. Donc... Oui, enfin, est-ce qu'on choisit un assaut ou on en crée un? Comme ça, on est sûr que quand nous on le crée. Non, déjà. Tu veux. Déjà, on va mettre le version 420, hein, gentil. C'est ça. Assaut.
Et un donc, assaut. Si on choisit... Vas-y, rejoins, j'ai créé un assaut. T'en as créé un? Ouais. Choisir Blo, Eldrin, entrée. Voilà. Comme ça, on part en quête. Donc, je prends Hurleur Nocturne pour la quête. Et comme ça, dès qu'il y aura les gens qui seront dedans, on le démarre et puis... Zou. Tiens, par contre, j'ai pas regardé si dans le... entre guillemets, l'inventaire secondaire, si j'avais pas des coffres hein, qui traînaient. C'est pas grave, on ira après. Bah, j'ai check, c'est fait. C'est juste pour le fun de les tuer. C'est pas besoin, mais... Non. Oh, t'as deux. Oh, il y a du bleu là. C'est quoi ça déjà? Ouais, il y a un truc bleu. C'est une quête secondaire. C'est pas les ça. Quêtes. Ouais, c'est ça. Plante grimpante robuste. Allez, go. Alors, quelle est la mission? Récupération de marchandises, série. Hop, ça fera une deuxième quête en même temps. Ah, faut suivre la vie. Ok. Mais c'est pas grave, elle a l'air de rester dans la zone. Donc. Depuis que les adeptes du sang sont là, les plantes poussent à une vitesse inquiétante. Elles sont déjà presque recouvertes. Ce sont que des plantes grimpantes. Nous pouvons les arracher. Voilà. Pas d'accord. Alors ça n'a pas marché, n'est-ce pas? La corruption qui envahit la forêt a contaminé les plantes grimpantes. Et maintenant, particulièrement résistance. Bon, eh bien, nous sommes dans une scierie. Les bûcherons avaient forcément de quoi couper tout ça. Allez, à la recherche de... Chercher une hache. Chercher une hache. En attendant, on défonce les mobs. Oh, attends. Quoi? Il y a masse mob là. Dis bonjour des gondages de mobs. C'est tellement fort et tellement vite. Eux. Ah, sens de monstre. 1/10, voilà. Attends, par contre, là on va sortir. Ah. C'est la hache, elle doit être quelque part dans le coin là. Ben, quand tu cliques dessus, attends, ça ramène un feu de la vie. Non, mais c'est bon. Quand tu cliques sur la quête, ça dit où aller. Ah oui, c'est pas une petite hache. Ah oui, au pétard à mèche. Bon après, elle est toute pite dans sa main. Alors, je sais que vous allez le dire, mais ne le dites pas. La hache est bien coupante. Nous allons avoir besoin de quelque chose de moins conventionnel. Si nous ne voulons pas arracher les plantes, nous pourrons peut-être les affaiblir. Vous avez parlé de démons déchus dans les parages d'acide, de ceux qui explosent pour brancher les fibres des plantes. Allez. On a le... On a le world boss qui pop dans 20 secondes. C'est lequel? C'est la plante? Non, c'est la rose, la rose oui. De sang. Bah c'est là. Bah, c'est quoi une rose? La plante. Où est Golden? Massacre. Ah putain, il m'a mis une mur juste devant la gueule. Et hop, on lui ramène la... les trucs des gueules. Hein.
Vous avez réussi. Ah non, zut, c'est moi j'en étais encore à la hache. On a trouvé les spectres des bois, zut. Bah on y retourne, c'est pas grave. Et moi elle est terminée, hein, les quêtes. J'ai eu la récompense. Bon, la poussière enchantée. Voilà, c'est déjà ça. Alors attends, l'acide, Aziz, oui. On va brûler les plantes grimpantes. Hop, deuxième essence de monstre. Oh, un joli, des jolis bleus là. Ouais, un petit triplé de bleus là. Il va se faire défoncer parce qu'on est 3 joueurs. 4 même, j'ai l'impression. Bon, après, il a donné que de la merde. Et vas-y, finis ta quête. Hop. Vous avez réussi. Allez, oui. Tu vas avoir un coffre. Bon. On prend dans les marais. Hop. Avec de drapeau. Et on monte. Vas-y. On retourne au village, à mon avis. Par contre, c'est quoi que j'ai encore en mode je dois regarder événement? J'ai fait un truc? Ah oui, terminé une quête secondaire. De quoi? Oui, ça c'était un des trucs de l'événement. Ben ça y est, j'ai récupéré les clés. Ben, moi je suis juste au-dessus. Et il me manque terminer 2 primes. Ben, les clés, j'en suis à 19 là. Je suis à 19 clés au Radri. Faut tuer de l'araignée. Bah tiens, il y a encore un bleu là. Ah bah vas-y, on fait hein. Ah, il y a des gens qui arrivent. Ah bah c'est encore. Allez, mon équipe de patrouille et moi. Attends, j'ai pas le temps de voir. Est-ce qu'il y a tout le monde pour la. Ces araignées réussissent à m'enfuir, aller chercher des renforts, mais les autres se sont fait piéger dans l'étoile. Sans sûrement du cas, reprenez votre souffle, plus vite nous mettrons en route, plus grande sur nos chances de sauver ou mener aux araignées. C'est bien. Est-ce qu'il y a tout le monde qui est à. On est 8 sur 8 pour l'assaut. Ben, lance. Trop tard. Ah, si, non, c'est bon. Non, il y en a qui ont quitté encore. Je sais pas pourquoi il y en a qui viennent. Je lance l'assaut et. Parce qu'il y en a qui sont dans des failles. Putain, mais tu fais pas des failles quand tu fais un assaut, tu fais des quêtes, c'est débile. Masterfully executed. On va avoir un boss là, je pense, non? Mais d'ailleurs, cette quête là. Ah bah tiens. C'est bon, ils ont lancé pour la salle. On va voir si ça nous l'annule ou pas. Non, on est à 100 là. Puis ça non, mais je veux dire, la quête, non, je pense pas. Ah, quoique. Il est où le caillou? On sait pas encore. Il est là, le caillou. Bon, ça va, il s'est fait défoncer. Oh, un légendaire. Un torse. Mais j'en ai pas eu. Allez. Oui. Alors est-ce que la quête elle a sauté ou est-ce qu'elle est toujours là?
On va savoir ça tout de suite. Non, elle est toujours là. Voilà, on va quitter l'assaut. Elle est tout. Ah ben non, elle est plus là. Ah, elle est plus là. On va peut-être aller la chercher. Elle est peut-être. Eh, pourquoi les créatures, tuer les créatures des marées, on est toujours à 0 sur 60 alors qu'on en a tué plein. Parce que c'est pas celle-là. C'est les araignées dans les mobs. D'accord, bon, on sait maintenant que ça. On sait que maintenant ça annule les quêtes bleues. Donc il y a de ne plus. Mais par contre, j'ai l'impression quand même qu'on refait les quêtes de la story. Oui, mais c'est ça, c'est les quêtes parce secondaires. Ça m'a rappelé quelque chose. Oui, mais... de suivre quelqu'un et d'arriver sur. Ah, peut-être. Alors celle-là, non, je crois pas. Non, celle-là, je crois pas qu'on est fait. Mais il y a plein de petites quêtes secondaires comme ça. Alors. Attends, là il y a les araignées, on est à 43 sur 60. De quoi, Amé? C'est pas grave, tu les finis. Moi je fais les autres. Ah oui, créature des marées, oui. On va voir si ça te les compte ou pas. Là on est à 48 normalement. Oui, ça me les compte. On va faire cacher quelque part. Ouais, c'est nettoyé. Hop, une essence de montre, yes. Bah essence de monstre, je crois que j'en suis à 2 ou 3 là. J'en suis à 6 boîtes de fion. Oui, mais la dernière fois, t'en avais déjà d'avance. T'en avais déjà d'avance de la dernière fois. C'est pour ça. Peut-être, je sais plus. Tu tapes lui. Oh! Tu es les sectateurs revendiquant la fleur. Il y a une quête secondaire. Ah, il me l'a compté, terminé. Ah oui, non, terminé de prime, ça c'est normal. Il n'y a rien d'autre, ça c'est tous les jours. D'accord, c'est on a une fois par jour pour faire tout ça. Fermez la fleur de sang. Allez, choupette, fais dodo. Ah, mais tu es là. Je l'ai pas eu, moi, ça. Oh, bah, apparition de sang. Ça m'a fait un haut fait de personnel. D'accord. Alors par contre, je vois un truc, corruption, c'est quoi ça? Je sais pas. Quoi? Purifier la corruption, 27%. C'est où ça? Je n'ai aucune idée. Alors ça dit quoi? Éliminer des monstres dans le pot obscur pour gagner plus de corruption. Ah ouais, regarde, en défonçant des mobs, on en gagne. Bon, bah après, une fois qu'on les aura finis, il va falloir bouquer des mobs en boucle, histoire de finir de le débloquer. Et par contre, je crois qu'on n'est pas les seuls à farmer dans le coin. Oui. On s'en fout, dès qu'on les a touchés au moins une fois, ça nous les compte. Hop, essence de monstre. Repère caché. Là, mais ça arrête pas, hein, c'est en boucle. Hein. Ah, mais ça y est, on a fini ici, je crois, non? Il y a des créatures dans le marais. Ça ne compte plus, là. À mon avis, c'est une autre zone où il faut aller. Ah non, ça les compte quand même. Ah oui, d'accord, c'est n'importe où. C'est parce que ça doit être pour la... Non, c'est qu'elle est très grande. Elle est très grande, la zone. Aïe. Petit bobo. Faut se calmer, Georges.
C'est bon, nous on a fini. Trouver et tuer les spectres des bois. Allez. Et après, il faudra faire la corruption, et pour ça, c'est que du grind de mob. Ah, mais il y a que toi qui l'as, hein, cette corruption. Moi, je l'ai pas. Hein. Le purifier ah, la si, corruption tu si, si, ah, si, 30%. Je l'ai, j'ai rien dit. Et là, je suis arrivé 31%, d'accord. Plus on tue des mobs, mieux c'est, quoi. Ouais, t'as contre, vu le nombre de mobs qu'il faut tuer pour, à mon avis, c'est pas un truc que tu fais en une fois, hein. C'est du collectif. Ah, du bleu, là. Je crois pas que ce soit du collectif, en fait. Parce que moi, là, je suis à 36%, moi. Je suis à 34%. Hop, essence de monstre. Il n'y a pas de mob, il n'y a pas de mob, il n'y a pas de mob, il n'y a pas d'essence de monstre. Pour une fois que j'en ai vite. Ce qui fait le monter plus vite, je pense, c'est les quêtes de Paragon, en fait. Et quand on regarde ça, bon, après il faut faire 24 quêtes, donc c'est pas gênant, mais... Allez. On aurait peut-être pu TP, parce que vu que ça a l'air d'être loin. Mais là on doit être à côté. Non, parce que là je suis qu'à peine 36% en moins de la corruption. Ben moi je suis à 41. 37. Ah, à mon avis pour monter à 100% ça va être vachement long quoi. Mais vu que c'est une quête violette. Ça doit certainement faire partie des quêtes de un peu spéciales qui doivent donner des certains loot particuliers. Ah, puissance de monstre et de 6. Ah, c'est eux qu'il faut tuer, d'accord, c'est notre quête. Oui. Il n'en reste plus qu'un, je crois, à tuer. Juste là, normalement. J'en suis fou! Et voilà, on a fini toutes les quêtes. Allez, on rentre. Les primes. Le mec va faire tombe de faillir, en fait. Le truc violet, faudra voir. Ouais, on va voir. Ça nous redonne des... Des quêtes derrière. Potential becomes reality. On a quoi les quêtes? Poudre glacée. Et hop, comprise. Codex. Bah tiens, je viens de prendre un niveau et un paragon. J'ai pris un paragon. Aussi. Alors, je vois que vous tuez mis la mode pistolet d'attaque augmente. Il y a 10 fois. Donc après, j'aurai le droit à quoi? Attribut permanent une fois appris. Ce bonus s'imprime toujours. Dégâts plus 1%. Et là, c'est quoi? Vie plus 200. D'accord. Oh, ça c'est bon ça. C'est pas mal aussi. Quoi, attends, c'est quoi ça, inactif? Appuyez pour activer une de ces compétences de spécialisation. Quoi? C'était pas actif en fait. De quoi?
Ben en fait, j'avais pas activé mon paragon. Comme ça, t'as pas activé ton Ben en paragon. fait, quand tu vas dans le paragon, t'as un petit truc actif. Gagner en puissance en terrassant les monstres pour attribuer 6. Là, maintenant, il est actif. Je mettais les points dedans, mais je l'avais pas activé, moi. Attends, tu vois où ça? Va dans ton, à l'intérieur de ton paragon et tu verras en haut, t'as Ouais. une case à cocher. Une case à cocher, ça. Bah, tu l'as peut-être plus parce que tu l'as déjà fait. Non, regarde. Si tu vas, tu vois où t'as ton, où tu rentres tes points de paragon. Ouais. Bah, t'as pas un truc tout sur le côté avec une croix active? Non. Ah, bizarre. Ben moi, il est actif maintenant et ça m'a déclenché tous mes trucs de paragon. C'est-à-dire que le truc de paragon est en couleur maintenant flamboyant. Ah, peut-être parce que j'ai débloqué une compétence aussi. Compétence de Parce que toi, parce que spécialisation. toi t'es passé en dessous, toi. Ben. T'es passé sur quelle branche, branche en haut ou branche en bas? Ben en fait, on n'a pas les mêmes branches, je pense. On doit avoir Parce que chacun moi les je suis en siennes. train de charger le truc qui est à 10 et pas à 5. Parce Ah oui, moi j'ai pris le truc à 5. C'est pour que moi ça. je charge la À la puissance, moi. puissance. Ouais, mais moi comme j'attaque corps à corps beaucoup plus souvent qu'avec les compétences, je mets le. J'ai augmenté les dégâts. Vu que je C'est fais pour ça. l'inverse. Voilà. Et mais moi j'ai pu activer donc la spécialisation. Ok. C'est la toundra glacée le prochain où on Ouais. va. Go. On va voir s'il y a des trucs de. De. Comment ça s'appelle? De. C'est quoi? C'est on fait s'emparer du village? Assemblée de Satan. Ouais, aller à la toundra glacée. S'emparer du village. Ouais. Est-ce qu'on a le truc violacé ou pas? Oh, bah attends, ici on a un autre truc, c'est l'appel des anciens. Ouais, et moi il est Essence déjà à récupérée. 39%. Donc à Moi mon avis aussi. ça doit rester dans la zone. Ah, Ça donc en doit... fait ça cumule les différents trucs que tu fais. Ah, tuer les monstres dans la toundra. Hop, essence. Oh, essence de monstre, c'est un truc violacé. Il y a un totem ici. Renforcement. Ouais, essence antique. Ouais, je sais pas à quoi c'est dû, mais c'est bien, on a. Je ne sais pas, je prends. Oh, du bleu. Fire! Oui, mais les essences antiques, je les vois aussi, et quand tu les prends, ça les enlève. Donc, c'est commun. C'est des trucs qu'on doit récupérer, je pense. On s'est tapé deux bleus d'affilée, là. J'ai oublié d'aller vider mon inventaire, j'ai toujours pas allé regarder mon nouveau légendaire en plus. Légendaire, pourquoi faire? Hop, les 500 antiques. Ça, à mon avis, les 500 antiques, ça doit être une de moquette. Hop, essence de monstre, yes. Du Oh, du bleu bleu. là-bas. Ouais. Papa. Attends, par contre, sur le codex, c'est quoi qui me dit quête? Vous voyez, coffre resplendissant, d'accord, ok, bibi. Oh, une essence de strum. Ah, plus qu'une et j'ai mis une page. Y a du bleu ici.
Ah, on a fini ici. Parce que pays distordu. C'est quoi en, en quête de victoire? On va voir où c'est. C'est à côté. Oula, c'est loin. Oula, c'est loin. C'est là-haut en fait. Est-ce qu'il n'y a pas plus près comme quête? Aurore glacée qui est juste à côté. C'est quoi? Aurore glacée, c'est la quête qui est juste au-dessus. Ah d'accord, éliminer et traquer les aurores glacées, c'est Chris dans la toundra. Ils sont juste à côté, autant se les faire. Bah oui, tant qu'à faire. Sur 10, yes. J'en ai profité, il y avait des bleus juste en dessous, je suis allé les Voir parce qu'il y a peut-être des loots pour moi. Et des globes d'expérience déjà. C'est pas mal. Oh, il y a encore du bleu en bas. Encore. Ah, oh, cool. C'est quoi ces essences antiques là? Je me demande si c'est pas pour. Si c'est pour. Tu sais, merde. Marcher pour la quête là, tu sais, qui fait monter. Ah, ça y est, j'ai fini une première page. Je pense que les essences antiques, ce serait pas les appels des anciens, essence récupérée 49%, c'est ça. Ah, donc allez au prochain. Hop, faut aller en faire un autre. Par contre, je vais juste faire un passage par. Vas-y, bah t'es juste à côté du TP là. Oui. On reviendra ici, c'est pas un problème. De toute façon, faut que j'aille en ville aussi pour identifier et vider. Donc. Non, la ville, c'est foyer. Ouais. C'est dommage parce qu'il m'en manque une aussi, mais c'est pas grave. Oh, on refera un passage. Alors, oh, tenue la désolation givrée. Oh, elle est moins forte que ce que j'ai, sérieux? Oh, elle est légèrement moins forte, elle donne quoi? Légendaire, cristal. Attends. Cristal de glace invoque désormais un cristal de givre qui inflige un nombre croissant de dégâts et gèle les adversaires. C'est pas mal ça. J'ai quoi? Rayon de météore. Ah oui, je pourrais virer et mettre ça à la place. Oh, faudrait que j'aille faire un petit tour pour aller nettoyer tout ça, moi. Faut d'abord que je regarde les. Je vais aller péter les scories, moi. Les anneaux. Ah. Est-ce que je peux améliorer quelqu'un dans le tas là? Non, pas encore. Ah, là oui. Voilà. Thank you for the coin, friend. Salvaging. Oui, on a toujours pas. C'est vrai qu'on avait récupéré l'autorité de Talrasha et qu'on l'avait pas posé encore. Attends, c'est où déjà les scories? Reliquaire infernal. Hop, ouais, mais on va l'améliorer. Il faut d'abord les. Bah, tu le fais au. Oh, ça a débloqué le deuxième. Le deuxième truc. Rang 5. Rang 6, pardon. Nouvel emplacement débloqué. Donc là, ça veut dire que si on bat le prochain, on pourra mettre son morceau ici. 2000. Oh. Oui, on a le temps, je sais. Mais c'est pas grave, ça permet, ça nous augmente, quoi. Ah, par contre, chance de coup critique, plus 10%, les failles probates, quand même. Je crois que je vais pouvoir faire passer... un item rang 6.
Paragon up. Parce que j'ai passe de combat up aussi. Quand tu veux, je te clique dessus le passe de combat, mais il veut pas. Merci. Oh, surtout que je récupère un emblème. Un petit emblème. Bon, des incuses, hein, on a l'habitude. Les incuses, c'est bien. Incus is good. Là, faut monter 25 pour le prochain. Au secours. Monter 25, pourquoi? Bah en fait, tu as 5, d'accord? Au 6, tu choisis, tu prends ta... Enfin, toi, ce sera peut-être plus, mais... À 6, tu prends le pouvoir. Et après, les deux qui sont sur les côtés, c'est 25 pour avoir le prochain, en fait, à activer. De pouvoir. Sur quoi? Sur le paragon. Donc ça bouffe, c'est pas grave, si tu comprends pas, c'est pas grave. D'accord, toi ton zèle bouffe plus, c'est ça? Ah oui, d'accord, ok. Ouais, tandis que moi, là, par rapport à ce que je passe, là, puissance, hein, il me manque 2. Il me manque 2 et ce sera bon. Après, j'aurai exorcisme, dégâts infligés, ouais. augmenté de 5%. Ça me coûte que 1. C'est ça. Et après, et derrière, après... ça coûte 5 pour après activer le prochain qui a 1. Moi, c'est 5 le premier, ouais. 1 pour les trucs et c'est 25 pour les deux autres. Avant de pouvoir avoir les pouvoirs des autres. Ouais, c'est point de vie ou dégâts, c'est ça? C'est ça. Moi, je suis parti sur dégâts. Hein. Point quoi? Point de vie. Osef. Hop, on retourne en bas. Oh, et Zelf, à quoi temps on peut se téléporter plus près ou pas? Ah merde, on n'a pas d'accès aux ruines de Chisseron plus près. On va aller au plein ensanglanté. Oh, bah du bleu encore à côté. Et qui nous attend gentiment à côté du TP. Coming! Retard. J'ai tué tout le monde. Presque. Voilà. Non, il y en a un qui a réussi, il y en a un qui était pas dans le rayon d'action. Allez. Let's wait. Oh, vilain un jaune. Mob, vilain mob, vilain mob. Un jaune. Oh, le jaune, c'est un gros taureau. C'est tir. Je vois qu'on est à 56% pour l'appel des anciens. Ouais, ça a l'air d'être plus rapide ici que pour l'autre. Bon, après, on était déjà à 39%. Bon, de toute façon, on va voir, hein. On va faire les quêtes et puis on verra. Hein. De toute manière, ça va nous amener, ça va augmenter. Je pense qu'à mon avis, c'est un truc général, qu'on était tous les deux à 39% d'entrée de jeu. Donc, je pense que ça doit être un truc commun. Il y a un moine qui nous a popé dessus, j'ai mis une paluche arriver. J'ai pas essayé aussi le changement de classe. Ça aurait été marrant. Et par là-haut. Un petit jaune. Un golden. Hein. Je l'attire. On ne nous taxe pas. Paragon 8, yes. Paragon 9. Oh, un yeti mort. Oh, une relique ancestrale. Oh. Ah, ça par contre, relique ancestrale. 1 sur 50. Moi, ça pop sur l'appel, ça pop sur l'appel des anciens, relique ancestrale 1. 1 sur 50, j'ai eu, ouais. Et ça, non. J'ai pas vu où pour ça l'appel pop. Des anciens. Appel des anciens, relique ancestrale 1. Oui, j'ai vu ça, mais. D'accord, c'est un truc. Oula, aïe 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 aïe, il me fait taper. Non, faudrait pas que ça me repop dessus. Donc faut essayer de les choper, c'est
C'est juste un truc comme ça. Putain, faut vraiment. Ça me fait penser un petit peu au truc à la con dans. Mais on l'a fini celle-là, non? Bah, enquête de. Il nous reste enquête de. Enquête de victoire, hein, mais c'est loin. On cherche les mots coco. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, TP au village. TP village. Mais je sais, j'ai pas eu mon dixième. Ouais, t'as pas eu ton dixième, moi je crois que j'en ai déjà chopé deux ou trois là. Ouais, non, mais tu sais très bien que le jeu il me dit va te faire foutre tout le temps, donc. Commence à connaître, hein. Ah non, j'en ai chopé qu'une. Je suis un peu gourmand. Il me donne des légendaires que j'ai déjà, qui sont moins puissants que ceux d'avant. Ouais, mais ça te fait des trucs pour après level up au-dessus du. Oui, mais six, bon. Hein. Oh, c'est pas un repère caché ça? Non. Dommage. Non, les repères cachés ils sont tous en bleu. Oh, j'étais TP, il m'a quand même touché quoi. Non, mais c'est quoi cette arnaque? Putain, je suis ralenti. Même ça revient. Drop. Mais quoi? T'as planté des mobs, des mobs qui m'embêtent. D'accord. Des mobs qui m'embêtent, alors je les embête aussi. Une quête. Briser le mur de glace. J'ai beau cliquer dessus. Enfin, il y a des mobs. Ok, il faut aller péter leur hôtel. Détruisez l'hôtel. Je le touche pas. Putain, c'est quoi ce bug? Je lui fais pas de dégâts, putain. Ouch. Hop, on s'en fout de la quête. Voilà. Trésor. Parfait. De la drapeau. Ça y est, on a fini les quêtes. On est à combien? On est à 71% quand même d'essence. Hein. À toi, tu continues? Ah non, c'est juste qu'ils m'ont aggro. Oh, il y a du bleu. Tapez le bleu. Ouais, mon dixième essence de monstre, parfait en plus. GG.
juste au moment où on va rentrer, c'est bien. Allez hop, prends. Ah là là. Bon, mis à part quelques mécaniques de merde, on va dire quand même que ça va au niveau du jeu, mais bon. Je pense qu'il y a un truc, c'est les clés là pour aller dans un truc au trésor quand tu vas dans. Mmh. On en a récupéré des clés. Ouais. Et putain, j'ai même plein de bleu de blanc partout là. Je veux pas parler aux gens, putain, faut qu'ils arrêtent avec leur truc. Attends, je prends les quêtes, c'est où? Mer de Sacha. Et on va voir s'il y a un truc pareil comme ça dans la mer. Je sais plus où j'en étais. Ah oui, ah, non, j'étais pas par le paragon, tu sais, j'étais avec l'hôtel là où il faut poser les gemmes. Ouais. Et en fait, on a gagné des clés, et je pense que ces clés-là, à mon avis, on doit pouvoir les cumuler pour les défoncer au bout d'un moment d'un coup, quoi. Bah c'est ce que je suis en train de faire perso. Hein. Ouais mais pareil là je les cumule et puis on verra. De toute façon. Bon ça là je suis à 19 clés, tiens paragon, j'en ai encore un. Ah bah ça y est. Bing. Ah j'ai pas eu de dupliqué, c'est bien. J'ai le stack full sur domaine de l'horreur alors. Hein. Quoi? De la merde, hein, comme d'hab, on a l'habitude. Attends, moi, faut que j'aille faire des trucs. Quelques petits trucs par-ci, par-là. Pour. Attends, mais j'avais un paragon encore. Ici. Oh, ouais, bah là, c'est pareil, j'ai gagné deux paragons, donc. Bah non, c'est pas ça. Moi, faut que j'aille identifier. Enfin, identifier ses faits, mais. Changer un pouvoir. Pour voir s'il est bien. Ah. Parce que j'ai les ralentir, ça va être fort. Mais j'espère que je vais pouvoir toujours envoyer. Parce que là, je vais extraire. Extractible. Oui. Parce que 20% de dégâts au météore, je m'en fous un peu, quoi. Ah, c'est dommage. Augmente la durée de vos créatures invoquées. Oui, je veux. Je vais mettre la rose noire. Hein. Je crois que l'autre ne peut pas extraire. J'ai rien à extraire de toute façon. Là, je le casse comme ça. On va aller là, on va aller le péter. Et donc là, ça fait pour le combat. Augmente les dégâts de vos créatures invoquées de 0,75%. Oh, c'est cool ça. Prochain rang. Il va falloir. Non, la pierre de Zod, je veux pas l'augmenter. Il va falloir que je crafte plein de gemmes légendaires. Ça. Oui, il m'en manque une à faire pour débloquer. Je sais pas pourquoi j'ai pas besoin de téléporter en fait. Oh, il y a du bleu là. Il y a une quête bleue. Où ça? En ville? Capitaine Saïd. Ouais, en ville. Capitaine Saïd. Capitaine Saïd, tu es où? En ville. Oui, non, mais... C'est bien, je suis en ville. À la mer de Sar. Ah, mais t'es à la mer de Sar déjà, d'accord. Oui, non, mais moi, j'y étais pas. T'es encore en ville. T'es allé où à la... Je suis à la ville de la mer de Sar. D'accord. Okay. Ah, bah trop tard, il vient de partir. Ouais, moi j'étais pas encore parti, moi j'étais en ville. Ah, attends, la merde ça. Sinon, il y a l'ennemi de mon ennemi qui vient de popper. Attends, j'arrive à côté de toi déjà. Je vais voir si je peux le verrouiller. Histoire qu'il se barre pas le temps que t'arrives. Sortie nord de la ville. Ouais, j'arrive. Je suis là, il est là, je le vois. L'ennemi, mon ennemi, il y a un scorpion de sable, oui.
pouvez tirer quelque chose de lui, blabla. C'est bon. Alors, trouvez le scorpion de Sam. Bah, ça va, à mon avis, il est à côté. Oui, il est juste au-dessus. Il est là. Ah, il va se faire défoncer. Ma sœur Pabi m'a été force à travailler pour un sadique nommé Hitler. Oui, votre sœur, si c'est un peu, vous aurez fait la justice dans l'ombre. Ce n'est pas un piège, blabla, Pabi est innocente. Il est à niche. Partir maintenant. Et hop. Ah, au moins, lui, il speed quand il avance. Ça va. Ballon. Ah, je peux plus le. Non, c'est bon. Rien dit. Hop, essence de monstre, parfait. Tu peux plus te. Moi, j'ai l'impression que le globe a l'air de marcher, mais. À faire autre chose de différent. Donc, Pourquoi il y a un truc vert? Ah non, c'est lui, ok. C'est le PNJ à suivre. Ouais, moi aussi, je me suis dit truc vert, putain, il y a un stuff vert qui est tombé. Moi, je peux toujours faire ma réfraction dessus malgré la modif, donc ça m'arrange. Mais je peux plus le faire exploser. Ah, il est toujours là, d'accord. C'est un idiot avant que je sache. Et ma soeur, je l'ai laissé tomber. S'il vous plaît, ma dernière demande dans cette vie, son sable, laissez-moi vous voir le casser, je vous en supplie. Bien pour un peu de repos. Ouais, pareil. Ok. Bon, maintenant on va faire les quêtes. Bon. Récupérer les documents du marchand. Il y en a quand même une qu'on a fait au passage, hein. D'accord. On en a une qu'on a fait. Ah oui, en plus, oui. Bah, il y a le marchand. Et il y a du bleu juste document au-dessus. Du marchand. Ouais, c'est pas très loin. Vu. Et il y a du bleu. Il y a du bœuf. Ouais, d'accord. Je perds la capacité de le faire exploser. Mais le cooldown démarre tout de suite après l'avoir utilisé, donc c'est pareil. Mais j'ai l'impression que j'ai mon cooldown qui a été augmenté. Et c'est pas très très grave non plus. On va ramasser les docks. On n'a pas regardé, est-ce qu'il y a un truc pareil avec un pourcentage ici? Non, il n'y en a pas ici. Il a trouvé un parchemin mystérieux, mais ça, à mon avis, c'est autre chose. Bah, ça, c'est artefact perdu. Si, si, c'est le truc d'ici. Hop, c'était le même document. Oui, bon, ça doit dropper de temps en temps, à tous les coups. Ouais. Ah, j'arrête pas de me faire frapper, putain. Là, c'est des plaies. Ça a toujours été des plaies, ces mobs dans Diablo. Oh, bleu. On l'a vu en même temps. Alors, vous connaissez le bon forgeron dans les... J'aimerais me faire fouiller une armure. Je peux vous présenter Féon, le forgeron. Il travaille dans le campement des lames. Ah, il va falloir, à mon avis, escorter là-bas. Ben, escorter, attends. Ouais. Ok, elle nous suit, en fait. D'accord, ok. On serait bien que tu participes au combat, Miss. Mais non, regardez, j'ai un bâton. Par en dessous, c'est plus. Hein. Par en dessous, oui. Miaou.
Perfusionner. Perfusionner. L'armure de Varys, c'est longtemps que je n'ai pas entendu ce nom. Je sais que ça vous prend un plaisir, je fais ma peur. Hein. Ok, alors vous me le rapportez. Je vais commencer à récupérer des pinces de scorpion. Well, good luck out there. J'ai le temps de m'aider. Bon, elle nous suit toujours. Récupérer les machins du désert. Bon, il y en a que 6, ça va. À l'attaque, béton du scorpion. Ça n'a pas l'air d'être à côté. Je sais pas si on peut TP, donc... C'est en effet pas à côté. Ouais, je sais pas si... C'est pas trop loin non plus. Non, puis elle a pas regardé, tu pourrais aider, hein. Ah non, non, je... c'est littéralement la pom-pom girl, c'est waouh. Horrible. Non mais elle m'a fait passer par où là? Oh, pourquoi il y a du rouge là? Ça va être la quête ça. Non, un mob rouge, un mob rouge ici hein. Un mob rouge? Oui. Trop tard. Oh, deux légendaires. Un trou de guerre et une tête. J'étais suffisamment prêt, j'ai eu un légendaire. Ah, GG. Moi j'ai eu un coffre aussi. Pour le trou de guerre, donc ce sera intéressant d'aller voir après. Et moi il me reste un truc de scorpion. Ah mais c'est bon, ils sont là. Bon, je les ai. On va lui parler à la miss. Alors, c'est liquide colossal et récupérer des écailles cristallines. Et j'ai eu un casque, enfin un nouveau casque. Ah moi j'ai pas regardé ce que c'était. Ouais c'était, j'ai vu un petit, je fais tiens, il y a un mob orange. Mais merde, c'est un world boss. Oups. Non, ben, c'est pas un world boss. Oui, c'est un rare qui pop de temps en temps quoi. D'ailleurs, je ne sais pas si sur cette map là il y a un world boss normalement, oui. Oh, il doit en avoir un sur chacune. Il est là. Pourquoi je suis tout le temps poussé là? Ah, elle fait des invocations maintenant. Elle est malade? Je crois qu'on a tous les matériaux. Ah, maintenant faut la suivre. Elle est où la quête? Je la vois pas. Je la vois se barrer. Ok, faut la suivre. Ah bah c'est jusqu'à Ferum, donc c'est jusqu'au camp. Mais je pense qu'il faut la protéger. Ça va, c'était à côté. Choupinette. J'ai hâte de commencer, livrer les objets. Back to work, ça, c'est débile comme ils ont fait. On va les prendre directement. Et hop, on s'en fout, blablabla. Blablabla. Et le coffre. Identifié. Bim. Masque dit non, merde, va te faire foutre. Putain, c'est le même que j'ai, quoi. Bon, après, ça, c'est pas gênant, hein. Oh, langue d'anguille. Déjà, on va changer le gant. Ça fait quoi? Ouais... Dégâts esprit d'os augmenté. On invoque des ors. Animation de golem avec désormais un golem squelette qui puise. Ah, il faut que. Il faudra que je. Fasse un détour par ici. La. Capitaine, l'âme d'ambre. Oui, mais c'est celui-là. C'est passé devant le fort, on nous a tous plaisir. Nouvel événement, tu peux l'accepter? Je sais pas ce qu'il faut faire. Trouver la patrouille. Ok.
Oula. J'ai un truc qu'il fallait pas. Il y a des trucs bizarres qui m'arrivent. Bon, blablabla, elles sont pas super intéressantes, ces quêtes. Ouais, ah, elles sont pas super, super intéressantes, les quêtes, donc... on va dire que... Bon, blablabla... Maintenant, faut parler à l'autre, j'espère que c'est fini. Retourner blabla ici... Blablabla, non, faut aller au fort 1. Bon, de toute façon, après, si ça fait faire les quêtes secondaires au passage... C'est... Attendez l'arrivée de machin. Fallait fouiller. Il y avait un truc à fouiller là. Là. Allez, c'est fini. Petit coffre. Ouh, il y a un violet là. Ça, à mon avis, ce sera pour après. Non, même pas. C'était pour nous. Ok. Elle finit. Hop là. Ouais, événement terminé. Ça, c'est cool. Un orbe de vitesse. Alors, on en était où dans les quêtes? On était... ah oui, les dettes du marchand. Les documents. On s'est fait un petit peu perturbationner par les quêtes secondaires. Ah non, ah c'est bon, il y en a là. C'est bon, je l'ai eu. Avant qu'il me tape. Mec, il n'y a pas. Ah, et je l'ai eu. Il n'y a plus qu'une à récupérer. C'est bon. On va passer à la suite. Oh, ils sont zombies. Oh, un orange. Oh, un légendaire. Rien que pour nous celui-là. Même pas de légendaire. Ouais, il a rien loot. C'est quoi cet orange tout pourrave? Remboursé. Par contre, j'ai pris un paragon. Moi, je l'ai pris juste avant. Exorcisme. Voilà. Maintenant, appuyez pour activer les compétences de cette spécialisation. Actif. Tadam. Voilà. Maintenant, je l'ai le truc actif. Voilà. Allez, tuez des bandits. Ils sont où? Les bandits. Oh, ça va, ils sont à côté. On va pouvoir taper quelques mobs à l'intérieur du... Des petits scarabées tout faciles à tuer, là. Hop, un petit globe de vitesse. Moi, je te laisse faire mes faux choses. Ah, quoique, il y a un truc qui s'appelle dératisation ici. Je crois qu'il faut massacrer des mobs dans... Ah bon? Une personne avec qui a trouvé une nouvelle quête? Oui, bah oui. Ah oui. Conjugation. Ah, mais c'est n'importe où, à mon avis. C'est n'importe c'est quel n'importe mob. Où dans la zone, là. Oui, bah elle est grande, la zone. Non, non, non.
dans les petites quêtes qui pop comme ça. Ouais, c'est dans la mer de Chassard, donc c'est dans toute la zone. Donc ça devrait aller. Hop, merci pour l'essence de monstre. Que tu viennes me faire popper. Oula. Ah non, faut faire la quête ici. Ouais, ah, mais non. Par contre, fais gaffe si tu sors. Ah oui. Putain, fais chier, il y avait des mobs ici. C'est bon, ils viennent de repopper. Oh, et du bleu en plus. La missive du contrebandier. Ah bah voilà, on a fini la quête. Au passage. Là-bas, il y a un truc à faire. Là. Trouver Léo Dias. Il manquait pas grand-chose, ça fait Léonidas. Mais... Oh, un coffre. Avec de la merde, hein, comme d'hab. Ok. Aïe. Il ne fonce pas dessus comme ça. Tiens, regarde, je te gèle. Il a mouru. Et ben on a fini cette quête. Donc tuer les démons. Dans le domaine de l'horreur. On se tape quelques monstres au passage. Si jamais on aura peut-être des reliques. Oh, essence de Strem. Bah voilà. Chacun son tour. Oula, c'est quoi tous ces mobs bizarres? Le verre. Ah, j'ai pas eu le temps de TP, je me suis fait bouffer. Vengeance. Destruction. Élimination. Destruction. Élimination. Il va falloir rentrer dans cette zone. Je vais me faire un critique à 9300. Bonjour le mob, je viens de te boucler les gencives. C'est ça. On est immunisé là. Là. L'arrivée du camionneur. Toujours, on craint un peu rien. Alors, par contre, j'ai vu un truc. Attends, c'est bizarre. J'étais sûr d'avoir vu un sanctuaire. C'est, je l'ai ramassé. Tu vois pas l'aura orange que t'as autour de toi là? Qui te rend invincible? Si. Bah voilà. Si, mais je sais que de temps en temps, quand je. En fait, je ne vois pas ce que tu vois. Mais c'est l'effet, l'effet fonctionne tout de même. Là, on l'a plus. Ah, tu es ennemi dans la mer de Chassard. Ouais, c'est pas comme si on était en train de le faire. Aucun problème, hein, il nous propose de tuer un truc qu'on est déjà en train de faire. Là, il n'y a aucun souci. Ben, il nous reste 3 mobs à buter. Oui. Parce qu'on a déjà fini les 4 quêtes, en plus. Voilà, fini. Il est où le coffre? Là. Sous mes pieds. Ok, et eh ben, retour en ville. Quand on repart en ville, tout le monde change de trottoir. Thank you.
Bon là de toute façon ça donne jamais, pas que tu as que du blanc et du bleu. De temps en temps du jaune et encore c'est un miracle. Il y a un jaune. C'est quoi les prochaines? Elles sont où? Cimetière. Je les prends mais je pense pas qu'on va les faire. C'est quoi 2h11, il est prêt, il est... Tiens, on va se faire une petite... On se fait une petite faille ancestrale pour terminer, tranquillou. Sinon, si tu veux, pour le périple héroïque, ouais. Il y a tuer Léoric le roi fou en difficulté, en faire un ou supérieur. Ah oui, on pourrait aller faire ça, oui. Enfin, je récupère toutes les récompenses à récupérer, là. Jamais, je peux peut-être avoir un paragon, non, même pas. Est-ce que tu es Isaac dans la fosse de l'angoisse, indiqué en faire un, tuer Léoric? Oui, on va sur Léoric, tranquillou. Là, faut dépenser des incuses en plus pour le truc. Des enfoirés. Mais c'est sur une longue durée. Oui, c'est une longue durée. Attends, je vais juste aller vider mon inventaire avant. Aller faire Léoric. Déjà, j'ai un casque à péter. Alors, votre niveau de paragon actuel est inférieur à celui du serveur. Statut, récompense hein d'XP augmentée. Ah oui, d'accord, niveau de paragon du serveur, 116. Ah oui, non, mais c'est normal. Il y a des gens qui jouent tous les jours, nous on joue une fois par semaine. Je vais dire, c'est normal hein, qu'il y ait des gens qui soient au-dessus de nous. Je vais dire, à ce niveau-là, on le sait. Hein. Oh, tiens, j'ai acheté deux de repos. Ça il m'en faut deux. Hey there, it's good to see you. Calèche fantôme arrivé dans 37 heures. Hein. What? Hein? Bah c'est l'a priori l'événement ici, là au cimetière. Calèche fantôme. Ah mais t'es déjà au cimetière toi? Ouais, bah, moi je me... Je rends visite à Polly là-bas, moi. D'accord. Ouais, non, mais moi, c'est pas ça, c'est que j'avais d'autres choses à faire. Bois obscur dans ces cimetières. Et direction là-bas, téléportation. Et on va dire bonjour à monsieur Léoric. Oh, ça va, je pense qu'on a une progression à peu près correcte. Pour des gens qui jouent une fois par semaine, quoi. Parce qu'après, on pourrait farmer comme des malades les trucs. Mais bon. Il y a plein d'autres jeux à farmer. On pourrait faire les bourrinators. Niveau recommandé 60. Ah, ça devrait je crois aller. Qu'on n'y est pas encore. Non, mais niveau 60, ouais. 60, c'est pas paragon. Ouais, mais justement, je crois qu'on n'y est pas encore. Hein. C'est, ça va être compliqué. Hein. Hop, on passe. Oh mon dieu, t'es... Léoric's throne lies somewhere in his haunted realm. It's time to return his wretched soul to its rest. What intrusion! I will deal with this! Ne me fire pas, monsieur! Je vais voir, moi je vais te fier aussi. Bouc, ça marche pas trop sur les boss en général. Ouais, il est bientôt mouru. Voilà, donc de la merde, hein, on savait. C'est pas un coffre, il y a des rats ici déjà. Il n'y a pas un coffre plus bas normalement. Je sais qu'il y a toujours eu un coffre au moins dans cette zone. Ouais, non. Il y a les rats mais il n'y a pas les coffres. C'est ça. Ok. Et bah... là ah. Le pareil, bon, c'est un coffre de merde. C'est... Oui, mais ça on le sait. Hein.
Ils ont repop. Bon, les rails viennent de prendre un crit à 10 000 là. On va faire un nettoyage de groupe. Hein. Faut déconner non plus. Offre ici. Oh, ce stack de cadavres de rats que t'as fait. Mal. Bien popé dans mon cristal, c'est parfait. Le boss, monsieur le mur, bonjour. Bonjour, monsieur Manorouk. Oh, parce que j'ai envie. Faucheuse! Oui, il en a fait popper là du mob. Il n'est pas qu'il en faisait popper autant. Bon, je suis sûr le TP qui met 50 à arriver. J'adore. Après, ça fait pas mal son truc, donc ça va. Il meurt. Sésame, ouvre-toi. On devrait plutôt dire Sésame, dégonde-toi. Aussi. J'ai l'impression qu'ils ont rajouté des mobs par rapport à la version normale. Il y a l'air d'avoir un tout petit peu plus de mobs. Pas beaucoup, moi, mais. Peut-être. J'ai l'impression que ça c'est donne. C'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Mis à part les deux gargouilles tout à l'heure, elles étaient à deux, mais là j'ai l'impression qu'il y en a plus. Allez. Il y a vraiment un coffre là-bas, mais. Là-bas, il n'y a pas le coffre. Si, il y a le coffre ici. Bon, avec de la merde, hein, on sait. Dites-moi.
Allez. Monsieur le roi, bonjour. Le roi Merlin. Là, je pète les brasiers avant qu'il arrive, voilà. La peine. Donc, ah, dada sur son bidet. Pas de légendaire. Bah, de toute façon, il faut payer pour avoir du légendaire. Donc... il faut payer la chance pour la mettre de son côté. C'est ça, ouais. Bah, de toute façon, là, c'est en attendant Diablo 4. Hein. Sinon, je peux te dire qu'il y a Diablo 4 qui sort, je joue pas à ça. Hein. Oh, je mais je pense que le jour où Diablo 4 sort, il est déserté. Il est déserté. Ah, il y a un petit paragon. Parfait. Oh, j'ai fini le truc là-bas, la brèche du... Oh. Quoi ? 12 sur 11 ? C'est quoi ce... 13 sur 11, attaquer la calèche fantôme et éliminer le collecteur d'impôts. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ? Ah, c'est en faire 1, 3 sur 11. Je lisais 13 sur 11. C'est dans les la conquête, enfin, dans les pardon, dans les dans le guide. Dans le guide. Ouais. Bah oui, en faire un 3 sur 11, attaquer la calèche fantôme et éliminer le collecteur des impôts. Putain, ça veut dire qu'il faut timer le moment où la calèche arrive. J'ai l'impression. Ouais. Ça va les incuses et au fait. Ok, 7. Tu es Zaka dans la fosse de l'angoisse en difficulté en faire un ou supérieur. On dépensait améliorer une gemme normale au rang 4, quoi. Allô ? Allô ? Vous êtes sûr ? Récupérer des essences de monstres et révéler 5 pages. Je sais pas, je suis à 3 sur 5. Terminer 3 fois l'événement suivant. Calèche fantôme, cauchemar ancien ou portail démoniaque. L'étage de Wodradim, ouvrir 20 coffres dans le sanctuaire. Et c'est quoi ça ? Ben c'est les hauts faits, c'est les périples héroïques. Attirer un rang 20 du pass de combat. Je suis pas sûr qu'on y arrivera. Et comme on va pas jouer, à mon avis, au mois d'août, peut-être que je ferai Mumuse, bon, un petit peu comme ça. Attends, j'ai récupéré un coffre. On va aller voir. Je vais retourner à la troupe de guerre, là. Je vais aller le... Non, je m'en défraîchis. Ouais, non, moi, la troupe de guerre, j'ai oui, mais moi, j'ai eu un coffre. Donc, je vais voir ce que ça va donner. Putain, moi, j'en ai eu plein. Alors, peut-être parce que je suis le chef du truc, c'est pour ça que j'en ai plus souvent. On va savoir. Parce que pour le moment, j'en ai quand même, je crois, deux. Ça me fait deux d'avance par rapport à toi. Ah oui, putain, c'est vrai qu'il faut aller parler à un gars spécifique. Tu peux pas y aller comme ça. Alors, avec le temps de chargement infini, alors apporter le corps, ok, et j'ai eu une arbalète pour une petite arbalète pour Archer. Je sais même pas comment on le voit déjà, je vois il est là, elle fait quoi? Affameuse. Donc dégâts infligés augmentés de 2.0 par membre du groupe à proximité. Alors, tir d'abalette transperce désormais ses cibles pour atteindre les ennemis qui se trouvent derrière. Ah, je l'ai déjà ce truc.
Pour le niveau... je l'ai déjà oui. mangé ça. Mais c'est pour la niveau 60 là. C'est l'arbalète pour niveau 60. Oui, mais elle est pas encore 60. Oui. Ok. Bon, on va arrêter pour ce soir. Merci à ceux qui sont passés sur live, pour ceux qui regarderont la rediff sur YouTube comme d'habitude. Abonnement, cloche, pouce bleu, commentaire, partage. Il y a tout ce qu'il faut en réseaux sociaux dans la description. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao.